Avec cette semaine dans Sagacité, Véronique Yalap, Remzia Isho, Vésilé Isho et Sabrina Yalap. Au sommaire de Sagacité, l'une des plus anciennes civilisations du monde installée à Sarcelles, les Chaldéens, reportage de Néna et Diane Baratier. Et une actu musicale à l'Abbaye Studio. Sarcelles, la ville mosaïque aux 92 communautés. L'une des moins connues est pourtant l'héritière d'une des plus anciennes civilisations du monde née en Mésopotamie, les Assyro-Chaldéens. Un peuple chrétien qui parle une langue que l'on croyait oubliée, l'araméen, la langue du Christ. Persécutés en Turquie et en Irak, les Chaldéens ont émigré par village entier il y a une dizaine d'années. 15 000 d'entre eux sont venus en France, 8 000 se sont installés à Sarcelles. En nous ouvrant les portes de leur cuisine, les femmes chaldéennes nous font découvrir la culture millénaire de ceux qui se baptisent eux-mêmes les enfants du Jardin d'Éden. Quand on nous dit vous êtes turc, on a du mal à l'avaler par exemple. Parce que nous ne sommes pas des Turcs, nous sommes des Assyro-Chaldéens, mais notre pays, bon, c'est vrai qu'on vient de la Turquie. Il faut préciser que nous sommes des Assyro-Chaldéens, nous ne sommes pas Turcs. À Sarcelles. Ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, mes parents, tout le monde. Tout le village entier est à Sarcelles. Ils sont contents parce qu'ils sont entre eux d'abord. C'est important. Parce que c'est des gens qui ont toujours vécu entre familles, donc ici ils se retrouvent en famille et ça leur plaît. Ça c'est sûr, c'est quelque chose, en quelque sorte, une chance d'être tous ensemble comme avant et dans les villages. C'est dans une salle d'un collège de Sarcelles que les Chaldéens célèbrent la fête du village Ishi.
Tous les habitants originaires du village et les amis de villages voisins regroupés dans le quartier se rassemblent pour un rituel familial et politique vieux de 4000 ans. On en a d'ailleurs retrouvé les traces dans la pierre des bas-reliefs babyloniens. Les jeunes gens, officiers de bouche, servent les anciens au cours de banquets organisés par les rois en offrande aux dieux. C'est à cette époque, 2000 ans avant Jésus-Christ, qu'est née l'idée selon laquelle manger la même nourriture, c'est former le même corps. Notre vie là-bas, c'était autre chose. C'était pas du tout comme ça. Bon, ici, commençant par la machine, là-bas, c'était pas du tout la machine, mais c'était cultiver la terre et puis garder les moutons, construire des maisons, si vous voulez. Et ici, c'est complètement la machine et que la machine. C'est déjà différent. Voilà, mesdames. S'il vous plaît, c'est hier, ma fille a été à la fournée, c'est 350 litres, oui. 15 mai. Oui. Le matin, c'est lui. Le matin, oui. Voilà. Merci. Allez, au revoir, mesdames. Allez, bonne chaud, s'il vous plaît. Chaud, oui. Oui. Merci, au revoir. Dans nos grands pâturages, nous élevions des troupeaux de moutons et de chèvres. Et cela nous permettait d'assurer notre réserve de viande et de lait. En juin, pour la transhumance, nous partions toutes avec les troupeaux pendant 3 mois dans la montagne. Nous vivions sous les grandes tentes en peau de chèvre. Nous découpions de gros morceaux dans les blocs de neige éternelle et nous les faisions fondre pour avoir de l'eau et abreuver nos moutons. Pour conserver le fromage, ma mère fabriquait des jarres en terre très solides. On empilait des morceaux de fromage de 100 kilos ou plus pour les enterrer, et ils pouvaient rester sous terre une année entière. Et nous sortions le fromage au fur et à mesure de nos besoins. «
برات خمعتها يغزي تدريش الفجر وبش لبهلة مطارة بي وبي قلت أنا شيخي Nous ne retournerons jamais chez nous. Nous avons dû fuir parce que nous voulons continuer à parler notre langue et à pratiquer notre religion. Ici, nous sommes en pays chrétien. J'ai élevé 8 enfants, enterrés dans un abri à cause des bombardements. Je les ai élevés dans le malheur, mais on aime quand même notre pays. C'est à cause de Saddam Hussein que nous sommes partis, l'année où il nous a lancé des bombes chimiques. C'est en 1988 que nous avons fui. Tout a été détruit. Saddam n'a rien laissé, ni maison, ni église. Il a tout balayé. Tout le monde a fui. Tous ensemble, cure des chrétiens, avec des chevaux, des mulets. Nous avons fui d'Irak en Turquie. Cela ne nous plaisait pas. On ne voulait pas. Mais on n'avait pas le choix. Quelques Kurdes sont restés là-bas. Mais avec les gaz chimiques, ils sont tous morts. Qu'est-ce que je peux faire? Ici en France, c'est beaucoup mieux. En Irak, les gens meurent de faim. Les gens souffrent. Le pays est défait, détruit. Il n'y a plus rien. Notre cœur est là-bas, mais nous ne pouvons plus y aller. Là-bas, il n'y a plus rien que la souffrance. Personne ne reste en Irak. Chacun pour soi. Tout le monde quitte le pays. C'est sûr, ici, je suis contente avec mes petits-enfants, mes fils, mes belles-filles. Mais toutes mes filles sont dispersées aux quatre coins du monde. Mes frères, mes cousins sont restés là-bas en Irak. On voudrait tous être réunis, mais c'est impossible. J'aurais voulu mourir et être enterré là-bas, à côté de mon père. Mais cela non plus, ce n'est pas possible.
la sortie d'une messe en l'honneur d'un disparu, la famille distribue le pain à tous les membres de la communauté. Un partage du pain qui, pour les Chaldéens, symbolise l'union des morts et des vivants. Chacun de notre côté, on savait quand même qu'on allait se rencontrer, on allait se rencontrer en France. Hein. Ça, on est parti de là-bas, mais on savait qu'on allait en France, on n'allait pas ailleurs. On peut pas vivre sans les uns et les autres. On peut pratiquement tous les villages sont en France. Même ceux qui sont ailleurs, ils essaient de venir ici. Oui, c'est vrai. Surtout à Sarcelles. C'est le centre. C'est le centre, Sarcelles. Ceux qui travaillent le plus ici, c'est en France, c'est les papas. Les papas, oui. Oui. Et puis les jeunes, surtout. Les jeunes. Les filles comme les garçons, d'ailleurs, les jeunes. Les papas, ils travaillent tous dans la confection. Parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire et ils ne savent faire que ça, quoi. Ils ne savent pas faire le couture. Oui, c'est devenu très dur, la couture. Mais dès le début, ils auraient dû apprendre la langue et puis faire autre chose. Ils avaient besoin d'argent dès qu'ils sont arrivés, ils avaient besoin d'argent, de maison. Dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à... C'est vrai, quand ils sont venus, ça coûte cher un voyage. C'est pour ça qu'ils sont restés à la maison. Ils ont souffert de ne pas savoir lire et écrire. Je pense que depuis notre arrivée en France, on a donné plus d'importance à notre culture. Ouais. Et ne pas perdre surtout nos origines. Nos origines, nos enfants, ils doivent être au courant. Je parle rarement à ma fille en français parce que, bon, de toute façon, le français, elle l'étudie en France et elle l'apprendra. Mais notre langue, on est obligé de... Enfin, je me sens obligée de lui apprendre plus ma langue. Non, hier soir, on ne parlait pas sur le village. On parlait de la vie de la nouvelle mariée, là. Ben, je sais pas. Faut pas revenir. J'ai pas eu de surprise, je m'attendais un peu à ce que j'ai... Oh, c'est bien, ça, Martin. Parce que déjà, je me suis pas mariée avec des gens étrangers, c'était de la famille. Oh, ben merci. Alors, non, mais je veux dire, c'est de la famille, on se connaissait déjà bien entre nous. Alors, j'ai pas eu de surprise, je m'attendais à ça. Et puis, je suis bien, je suis à l'aise là-bas, c'est comme à la maison. C'est la dernière nuit que j'ai passée chez mes parents avec mes petits frères, je dors avec eux. C'est pour ça. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même quelque chose avant. Une fois mariée, on attendait 15 jours chez le mari. Après, 15 jours après, on rentrait chez nos parents et on restait presque pendant un mois chez eux. C'était les grandes vacances. Ça, c'était... C'est bien quand même d'avoir toutes ces choses, c'est des souvenirs. Et toi alors, comment as-tu connu ton mari? Pour nous, ce n'était pas pareil. Ce sont les parents qui choisissaient nos maris. Les parents disaient, on va chercher la fille d'un tel pour notre fils, et puis ils allaient la demander. C'est tout et c'était fait. Nous ne sortions pas ensemble. Nous avions honte. Si on se croisait, on changeait de chemin. Aucune de nous n'a fréquenté celui qu'elle aimait. Au nom de notre Dieu, je vous jure que je dis la vérité. Nos parents venaient et disaient, on vous la donne. Et comme ça, on était donnés. Et si c'était moi là-bas, tu m'aurais donné à quelqu'un comme ça? Oui, exactement. Ses parents seraient venus à la maison avec leur fils. On t'aurait expliqué la situation. Et dans vos regards, vous auriez senti si vous pouviez vous marier. Mais tu aurais dit oui. Moi, contrairement à ce qu'elle dit ma maman, si je trouve que c'est l'enfer, il vaut mieux divorcer et ne pas vivre dans l'enfer.
Mais il faut essayer tout. Mais ma mère s'assoit en fait. Elle n'est pas du tout de mon avis, quoi. Dans l'église, on ne pourra pas se remarier si on divorce. C'est surtout ça, parce que il y a l'église. Et à l'église, on ne peut pas se marier 100 fois. C'est une fois ou pas du tout. Donc, si je ne veux pas respecter l'église, bon, je peux me remarier comme ça à la mairie et puis bon, faire ma vie, mais c'est dur à imaginer. Je ne veux pas que ma fille aille travailler ailleurs. Sa maison est ici avec sa famille. Où irait-elle? Mais elle ne veut pas me dire « va en paix ». Si, mais je te le dirai quand le moment sera venu. Va en paix, ma sœur, va. Elle veut partir. Sa maman, toujours, elle veut pleurer. Samedi, ma fille, elle est mariée. Et dimanche, voilà. Je ne peux pas arrêter toute la journée. Je vais pleurer comme le robinet ouvert. Je te jure, je ne peux pas rester.